Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? J'ai un petit cadeau pour toi avant de commencer. Ah oui, merci. Quelqu'un qui tenait à te parler. Ok. Jules. Je t'appelle de chez moi. Ménilmontant, mais oui, madame. On va venir te voir bientôt. Et chez toi pour le coup, Vélodrome, et on s'en fait une joie. Merci bien. Je savais que tu allais voir Mouloud aujourd'hui, donc je t'ai envoyé ce petit message. Merci bien. À très vite, J. Grosse force à lui, hein. Grosse force à Vincent, c'est vrai. Vous êtes entré en connexion, ça y est. Enfin, moi, ils vont venir normalement, je suis content. Ça fait plaisir. Comment tu l'appréhendes, le Vélodrome? Je l'appréhende pour l'instant, on va pas se mentir, j'ai pas encore le... La conscience. La petite boule au ventre, ouais. Je l'ai pas encore. Mais je sens que, déjà quand on me demande des places et tout... Ça s'approche. Moi, ce que je trouve beau dans le fait que tu fasses le Vélodrome, c'est que tu es passé en centre de formation pendant 2 ans là-bas, avant de t'être blessé. Ouais, c'est ça, je me suis blessé. Et que on se dit, quand on voit ton histoire, en fait, le destin t'a mis quand même au Vélodrome. C'est vrai, malgré tout, j'y suis allé même sans le foot. J'y suis allé même travailler, j'ai fait la sécu au Vélodrome, je fouillais les gens. Et voilà, aujourd'hui, je vais chanter, je vais réaliser mon rêve à la base... Je voulais jouer au foot, j'y ai joué avec l'UNICEF. Donc ça, c'était un rêve aussi réalisé. Et là, c'est mon rêve de rappeur, de passer au Vélodrome dans ma ville. Là, c'est mon rêve, là. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ton métier, c'est rappeur? Parce qu'en vrai, moi, ce que j'observe avec toi, et c'est pour ça que je suis hyper fier de toi et de ce que tu racontes en réalité, c'est que... À un moment, t'as fait un travail normal, t'as bossé en maçonnerie, t'as bossé dans des piscines, et tu t'es dit, j'y arrive pas, je vais croire en mon étoile, je vais travailler. T'es devenu artiste, sauf que tu n'es pas qu'artiste. T'es producteur, t'es éditeur, t'as énormément de casquettes. Est-ce que t'es capable d'énumérer tous les métiers que tu fais? Je sais à peu près ce que je peux faire. Je sais que dans la musique, je pourrais à peu près tout faire, sauf, on va dire... C'est-à-dire les masters, ce qui est master, mix, j'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Mais dans tout le reste, que ce soit instrument, que ce soit direction artistique, que ce soit musicalement parlant, tout ça, je vais chercher, je vais créer, essayer de créer ma propre idée en m'inspirant un peu à droite à gauche. Donc c'est toujours comme ça. Et t'as toujours appris en faisant? J'ai toujours appris, ouais, en faisant, bien sûr, j'ai fait plus que ce qu'il fallait faire, même, je pense. J'y suis resté plus que ce qu'il fallait devant l'ordi. J'ai beaucoup fait travailler le cerveau devant l'ordi. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir. Si je dois faire un album seul dans une montagne, je peux me faire mon album seul dans la montagne. Sauf que maintenant, il y a des groupes qui entrent en bourse en disant « on distribue Jules ». Ça a changé. Ouais, comme ça, c'est une fierté après ça, un peu. C'est qui l'eût cru. Voilà, quoi. Dans ton rapport au travail, il y a aussi le rapport à savoir s'entourer. Et je trouve que pareil, ça, c'est des choses qu'on apprend en faisant, en fait. Bien sûr. De se dire « je sais que je ne sais pas ». Mais c'est un travail, hein. Il y a plein de gens qui pensent savoir tout faire. Toi, on a compris que tu avais compris ce que tu pouvais faire, pas faire, et comment aller chercher les personnes qui savaient. Par exemple, quand je vais chercher Kaku pour un album, je veux qu'il me ramène son délire. Je sais que ça, je vais aller chercher un autre truc pour mon album, une autre couleur pour mon album, parce qu'il a son délire dans les beats et tout. Je vais dire, hop, je vais aller chercher une couleur. Après, là, j'ai fait un groupe où dedans, j'ai,
doit avoir 60 beatmakers dans un groupe WhatsApp et ils m'envoient tous des prods et tout. Alors là, c'est... Ils me donnent ce que je veux, tu vois. Ça veut dire je sais où je vais pour chercher, ils me donnent, boum, j'ai tout ce qu'il faut, je peux avoir ma couleur pour mon album, même qu'avec leur prod, je peux voir la couleur, tu vois, de je suis à fond, plus qu'à fond, et toujours actif, même si je suis pas actif sur les réseaux, je suis toujours actif au studio. Ou là, par exemple, pour cet album, j'ai pas été actif qu'en studio, j'étais actif aussi sur la vidéo. Ouais. Ça veut dire que j'ai clippé tout l'album. C'est-à-dire que c'était double travail, mais je sais qu'avec... Là, par exemple, j'ai regardé tous les rendus là, hier soir, et je sais que ça va défoncer. Je suis très content. Quand on clippe tous les morceaux d'un album, est-ce que lorsqu'on les conçoit, on a les visuels en tête? Sur ça, là, pour faire 20 clips, tu peux pas avoir tous les visuels en tête, c'est impossible. En plus, surtout, c'est... Bon, il y a bien 6 mois en arrière, mais c'est un coup de tête quand même, 6 mois en arrière. Et genre, je me suis dit, voilà... Tu t'es dit, je travaille trop, il faut que je travaille encore plus. Justement, je me dis, bon, quand même, je travaille, et là, ça va me faire encore plus, comment je vais faire et tout. Justement, je me suis dit, oh, ça va être dur, plus le vélodrome, plus la vie, plus... Et ben, je me suis dit, non, à fond, j'ai tout fait. Le sport, j'ai fait le sport, ça m'a donné encore plus la force. T'en parles du sport dans l'album Extra Terrestre ? Ouais. Natation, taille. Ouais. La taille, là, je fais un peu la boxe et tout. Là, je vais me mettre à la piscine. Essayer un peu de me faire 2-3 petites brasses. Et voilà, quoi. L'inspiration, est-ce que maintenant, t'arrives à créer les conditions pour, avec l'expérience ? Bien sûr. Ouais. Toujours, j'arrive à m'inspirer, il y a toujours des choses qui se passent dans ma vie. Je vois toujours des choses. Toujours pareil. Parce que l'inspiration. Y a plusieurs surnoms, il y a la machine, il y a l'ovni. L'album s'appelle Extraterrestre. Moi, la lecture que j'ai de ce titre d'album, c'est que aujourd'hui, t'es extraterrestre parce que, avec toute la lumière que t'as sur toi, rester humain à une époque où tout le monde veut montrer la meilleure version de soi-même, et montrer la version la plus normale de soi-même, ça c'est être extraterrestre aujourd'hui. C'est l'anti-flambe. La belle est verte comme mon KX, mes potes ils fument du 3X. En fumette, mais je vois tout, sous les lunettes d'un Matrix. On va me certain, on passe par BX, on boit la potion comme Astérix. Je lève la moto, je prends des risques, du Prado jusqu'à l'obélisque. On fait la signe Joule sur la Pix, Rapta ça finit dans des Rix. Y'a de la team Joule dans la zone, Marseille jusqu'à Paris. Font la guerre pour des streams, moi je sors rien sans même pas je le mix. Je pars à nos camps, on me fixe, je me fais des films comme dans Netflix. J'ai de l'espoir, la piscine, le soleil quand j'ouvre les stores. Faut que je m'en sorte sans faire la superstar. Sans faire la superstar. Ouais, bah, après, sur ça, je m'extraterrestre, c'est par rapport à mon travail, genre plus qu'à chaque fois j'y vais à fond et j'y vais plus que la fois d'avant. C'est pour ça que à chaque fois, dès le départ, on m'a surnommé comme ça, l'OVNI, la machine, tout ça, c'est par rapport à ça. Donc extraterrestre, c'est encore par rapport à ça et c'est surtout mon univers. C'est avec l'OVNI, tu vois, je peux rajouter mon OVNI. J'aime bien quand l'OVNI est là, tu vois, dans les projets un peu. Dans mon projet audio, il y a encore plus... on va dire extraterrestre, vraiment. Parce qu'il y a un truc que j'ai rajouté tout le long de l'album, il y a un bruitage que j'ai rajouté tout le long de l'album, même plusieurs, qui font spatial, tu vois, qui font ovni, tu vois. Donc c'est encore dans le même délire. Quand on réalise qu'en moins de 10 ans de carrière, t'as vendu plus que Mylène Farmer, que Francis Cabrel, et que la seule personne qui est au-dessus de toi dans l'histoire de la musique en France, c'est Johnny Hallyday, et que tu arrives en claquette, bob, survette, c'est extraterrestre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de showbiz autour de toi. Ah, je ne regarde pas trop ça, moi, showbiz et tout, ni comment je m'habille, ni comment... Je m'en fous du regard des gens. Je vis comme j'ai toujours vécu, et le but, surtout, c'était de... Si j'y arrive, c'est de ne pas changer. Donc le but, c'est de ne pas changer, tu vois. J'essaie de rester moi-même le plus possible.
Même si dans la vie, des fois, il peut se passer des trucs que tu peux ne plus être toi-même d'un coup, tu vois, mais il faut garder la tête sur les épaules. J'essaie d'avoir le mental. Tout ça, quoi. Je suis bien fixé sur ça, quoi. Le mental et de ne pas changer, de rester pareil. Parce que t'as lié toute ta vie au travail. Même, on voit que pour toi, c'est une manière de passer du temps avec des gens que t'aimes bien. Aussi. C'est-à-dire que quand on met tellement de passion dans ce qu'on fait, le travail, moi je fonctionne comme ça. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec mes amis. C'est que c'est un bon moyen de les voir et de faire des choses ensemble. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est vrai. Tu as raison. Pourtant, on vit pas le même travail, mais tu vois, mais c'est pareil, moi aussi. Ouais. Je suis bien avec les poteaux et tout. Ça me donne la force. Ça me donne la force quand ils sont autour et tout. Après, j'aime bien aussi des fois être seul et tout, pour dans le studio, ça fait du bien, tu peux te lâcher un peu plus, tu vois. Mais j'aime bien aussi quand ils sont là, et ça donne la force. Il y a un mot que tu opposes beaucoup au mot travail, c'est ennui. Ennui. Tu dis, si je travaille pas, je m'ennuie. Ouais, en fait, je m'ennuie parce que, hormis le travail, j'ai pas trop de vie, tu vois. Heureusement qu'il y a la team, tu vois, qui est pour les réseaux, un peu, tac, 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 et qui sont là derrière moi. Ou sinon... Si je travaille pas, je suis pas bien. Et comme tu as dit, c'est un moyen d'être là avec tes collègues, tu peux travailler avec ceux que tu aimes bien. Tac, tac. La passion. Et tu as à peu près plus de disques d'or que n'importe qui. Tu as dépassé les 100 disques d'or. Quand il y a eu la crise du Covid, toi, tu les as offerts pour les hôpitaux. Alors, moi, par exemple, j'ai décidé de mettre aux enchères tous mes disques, toutes mes certifications. Et j'ai décidé aussi de faire un chèque de 30 000 euros pour les hôpitaux, pour aider les médecins, tout ça. Donc ça montre à quel point, encore une fois, tu es extraterrestre. cette crise-là du Covid, j'ai l'impression que ça a été un reboot de ta carrière. C'est-à-dire que tu n'as jamais fait autant de choses, autant de projets. C'est vrai que, déjà, de base, j'étais déjà confiné. Alors là, avec le confinement et tout... T'étais doublement. Ouais, doublement, et avec ça à faire, tu vois. Donc, même les idées. J'ai eu des idées pendant tout ça. J'ai eu Très Organisé. J'ai eu Classico. Toutes ces idées, même sur mes projets, j'ai eu plusieurs idées. Mais une idée comme ça, quand elle vient, on dit, ouais, je vais réunir tous les mecs de Marseille. Concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire que tu fais un groupe WhatsApp? Moi, déjà, c'est tout sur des coups de tête à chaque fois, des fois, tu vois. Mais les coups de tête, il y avait déjà eu des doutes avant, des « putain, je le fais pas ». C'est pas le moment, parce que là, j'ai un album, j'arrive pas. Là, c'était le bon moment. Je veux dire, tout s'est déroulé normal, tu vois, parce qu'on est tous de Marseille. La plupart, déjà, on se connaît tous. Ça s'est passé, ouais, groupe WhatsApp. Au feeling, tu vois, au début, il y avait Bande Organisée, j'ai réuni les 8. Et après, d'un coup, je suis parti sur le projet, j'ai dit, les gars, on va faire ça. Et on a fait Très Organisé après le projet, avec tous les rappeurs, les 157. SCH nous a dit que le moment qui l'a le plus ému, c'était d'être en studio avec Laura Luciano. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est... Quand tu vois Luch en train de poser, c'est vrai que ça donne quelque chose, tu te régales. J'ai bien kiffé moi aussi Ayam, quand je regardais, ça tue. Je suis de l'époque où cette ville a connu tant de peines, où sa jeunesse s'envoyait du rêve dans les veines. Lorsque les vrais avec leurs poèmes menaient les chrysanthèmes, mais que les grands baladaient les fers dans les vestes. T'as grandi avec eux? J'ai grandi avec tous ces rappeurs, que tous les grands de chez moi. J'ai grandi avec tous, même ceux qui étaient un peu dans l'ombre, on va dire. Pas dans l'ombre, mais tu vois, c'était dur avant Marseille pour que ça aille. Pas trop les réseaux, pas trop ci, pas trop ça. Donc, par exemple, tu vois, j'écoutais des Puissance Nord, j'écoutais des GIZ, j'écoutais des... Il y avait plein de groupes que... C'était quelque chose qui méritait de faire plus, tu vois, je pense. Et quand tu te dis, toi qui rappais sous le nom de Giuliano 135, un jour, je vais faire des beats et dessus, il y aura Akash, il y aura Laura Luciano, il y aura Shuriken. Jamais de la vie. Je
pensais jamais que j'allais chanter avec eux, déjà. Est-ce que tu étais redevenu un enfant quand ils posaient devant toi? Ah, bien sûr. Je leur disais, j'étais, c'était un rêve pour moi. Mais ouais, tout le temps tendu, c'est les... Le mec, mon père, il écoutait, genre, tu vois, c'est chaud. Et moi, je suis là avec lui aujourd'hui en studio. Le mec, respect. Akhenaton, il a été, pareil, assez touché par cette expérience et le fait que tu l'appelles. Ouais. Est-ce que vous avez continué à échanger après? Est-ce que vous avez échangé des conseils? Bien sûr, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, je dois aller là-bas boire un café. Voilà. Non, toujours ouais, bon feeling, même à peu près avec tout le monde, hein, tranquillou. Toujours pareil. Hein. Il t'a donné un conseil, chill ou pas? Un truc que tu retiens? Conseil. Tu sais, les conseils, il me les a donnés dans ses sons. Il me les a plus donnés dans ses sons, ouais, la vérité. Non. On a plus parlé travail, musique et tout, tu vois. Toi, t'as donné une leçon aux nouvelles générations dans tes sons, c'est qu'il n'y a que des artistes. Que tu sois ancien, nouveau, que tu commences ou que tu sois célèbre, le simple fait d'avoir dit bah, dans mes projets, le classico ou très organisé, tout le monde est à part égale, ça dit quelque chose d'extrêmement fort en fait dans la musique. Ouais, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal. On est tous pareils. On est tous des rappeurs. S'il n'y a pas le même buzz, et ça, c'est pas pour autant qu'il ne peut pas avoir un niveau au-dessus. Donc on est tous pareils. Et voilà. On est tous des humains, on est tous venus devant le micro, on a chanté nos textes. On mérite tous pareils. Et voilà. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as toujours le même truc dans le ventre que quand tu as commencé? Je crois que c'est parce que c'est la passion. Hein. Je crois que c'est la passion. C'est... Des fois, je te jure, j'ai des... Ben, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Mais après, d'un coup, j'ai trop le truc. J'ai une idée et tout. Il faut que je la fasse. En fait, quand j'ai une idée, je pense que c'est bien et tout. Et surtout quand c'est des flashs qui reviennent, je me dis, je peux faire ça. D'un coup, j'oublie. Du coup, ça revient. Oh, ça fait deux fois que ça me revient dans la tête. Je me dis que là, je peux. Des fois, je réfléchis, je prends le recul, j'analyse et là, je vois si c'est possible. Si je peux aller jusqu'au bout, je le fais. Qu'est-ce qui te vient en premier? C'est des rimes ou c'est des mélodies? Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, quand j'écris sur un texte boom bap, c'est que les rimes qui me viennent. Il est fou ce monde, sois jalouse quand tu fais de l'avant. Sur la moto avec capot, tu es blanc quand on déboule à deux. Et le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. Je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Quand j'écris sur un son type tchoul, c'est peut-être la mélodie comme le texte. Ça veut le port d'âme, les gros bras, j'en claque Van Damme. Je fume la beuh d'Amsterdam, celle qui est bonne qui prend au crâne. Ça veut le port d'âme, les gros bras, j'en claque Van Damme. On avait cette conversation là la fois où on s'était vu. On disait t'as créé un son, une musique que moi j'appelle la Joule. et toi t'as dit ouais ça me fait penser à quelque chose, c'est vrai tout ça. Et maintenant tout le monde commence à réaliser que t'as créé ton genre de musique. Et moi je pense que ce genre de musique il va traverser les frontières. Alors pour moi. Moi qui suis beaucoup derrière les réseaux, il a déjà traversé. Il a déjà traversé. Et je te donne des exemples. Par exemple, il y a Mourad, en mode type un peu Joule. L'équipe siempre gana, l'équipe nunca empata. Si hablan, ya se saben que luego se escapan. Si hablan, ya se saben que se van por bata. Rov de d'Italie. J'avais entendu Bof en Hollande. Et même plusieurs qui ont tapé sur du type Joule. Et pour moi, c'est une fierté, genre,
pour moi, là, ça a dépassé les frontières, tu vois. Et même bien plus loin. Tu vas en Suède, un rappeur à 36, c'est sur des types que je fais, que moi, je me dis, dans ma chambre, j'écris ce truc, et d'un coup, c'est là-bas, c'est en Suède, ces trucs, c'est... C'est une fierté. C'est marrant parce que je suis content. Il est bon ce geste pour décrire. Après, il n'y a pas que celui-là, tu vois. Ouais. Il n'y a pas le tic-tic-tic. C'est parce que celui-là, tu vois, c'est plus dans bande organisée, ouais. Même dans Salvatrucha, dans des bails. J'avais fait un peu. Il a plus pété dans. On a plus, il avait plus été en valeur ce type-là avec bande organisée, c'est vrai. Mais avant ça, il y avait le avec par exemple, tu vois, je peux te sortir Paranoïa au quartier, je tourne en rond, je trouve pas le sommeil, c'est que les beats, voilà quoi, la fusée. Je peux t'en sortir encore, même là, que j'en ai fait. Par exemple, tu as JCVD, Poussette, tous ces types-là, comme ça. C'est ça que j'étais dans ma chambre. Le premier type que j'ai fait comme ça, c'était au quartier, en gros dans ma chambre déjà, avant. Parce qu'au quartier, avant de le faire sur Paranoïa, je l'avais fait dans ma chambre. Et sur un autre beat, tu vois. Après, je l'avais fait sur un autre beat. Et déchiré comme ça, c'est le beat du loup, en gros. C'est de là que c'est parti, tu vois. Et après, je l'avais refait en studio pour l'album et tout ça. Au quartier, y'a de la vente d'armes. Les petits jouent les vandames. Soulevés par les gendarmes. Dur de vie, moi j'en parle. Tu le sais que j'en paf. Que j'ai quitté les études. Fais gaffe car les gens paf. C'est de là que c'est parti, ce beat. Et ce beat-là, c'est lui que je vois, par exemple, qui est en Suède aussi. Et maintenant, oh, le tic tic. Il commence lui aussi à dépasser. C'est vrai, il est partout. Là. Je le vois. Et même, on l'a vu aux États-Unis aussi avec 6ix9ine. Ouais. Tu dis, c'est pas parce qu'il a pris mon sang que je le valide. Non, c'est pas parce que c'est pas parce que j'ai kiffé voir mon son ouais. State que j'ai validé ce qu'il a fait lui. Ouais, c'est ça. Voilà. Qu'en gros qu'il la balance. Voilà. Il y a une autre référence, il y a deux autres références. J'étais plus rappeur. Content de voir mon style là-bas que j'ai créé dans ma chambre. Après, quand c'était un peu dommage que ça soit ça, mais bon, c'est pas. Bon, ça m'a plus fait plaisir dans ce sens-là, tu vois. Mais c'est le début. Ouais, espérons. C'est le début. Espérons, déjà, c'est un petit. Tu vas voir, une petite alerte. Tu vas avoir les Kanye, les Drake, les futurs. Je sais pas, mais on verra bien. On va voir. En tout cas, moi, je suis très content déjà. Je pensais pas que ça allait sortir de Marseille. Déjà, moi, dans ma tête, ni de mon quartier, ni de rien du tout, donc ni de ma chambre. Donc, bébé. Parce que tant mieux, Dieu merci. Ce qu'on se dit qui est génial, c'est que il y a 20 ans, la French Touch. C'était les mecs de Versailles qui faisaient de l'électro. Et là, c'est les mecs de la rue qui sont à Marseille, qui font voyager la musique française. C'est un mec dans sa chambre à Marseille, la French Touch. Qui est pas masqué. Ah ouais. C'est vrai, mais... C'est vrai, je suis content. Je m'imaginais pas tout ça. Pour moi, c'est... J'étais loin de tout ça. Et dans ma tête, j'essaye de... Pour rester moi-même, faut pas trop que je me concentre... J'avais sur des bails comme ça que je me dis, bah, je suis là-bas. Non. Je reste là. Moi, j'essaye d'avoir mes idées encore, mes trucs, mes projets, de faire plaisir à ma team, que ça. Et voilà. Mais c'est un point commun que t'as avec les Daft Punk. Ah ouais. Bah ouais. Ils ont jamais été dans le star system, ils ont été que dans leur musique, dans leur communauté, dans leur travail. C'est bien. Oui, ils sont heureux qu'en studio. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont créé les robots, en fait. Toi, t'es la machine. Mais... Comme j'aurais aimé avoir cette intelligence d'avoir mis le casque, à la vérité. Ouais. Ouais. T'as envie de revenir à l'anonymat ? Pas envie de revenir, ouais. Je c'est un petit rêve aussi, tu vois, mais c'est impossible. Mais j'aurais aimé
être masqué ou si j'aurais eu cette idée, tu vois, ça aurait été pas mal. Pour moi, pour ma vie et tout, pour vivre tranquille, pour être... Bravo, en tout cas. Parce qu'on n'a pas l'impression que toi, t'as envie de quitter chez toi, quoi. T'es bien. Ouais, moi, je suis bien. Mm-mm. Ça fait partie de tes conditions. Ouais. Bah, ici, j'ai un pied-à-terre, tu vois. J'ai tout ce qu'il faut autour de moi. Tout le monde. Mes collègues, la famille. J'ai tout ce qu'il faut. En plus, j'aime trop, tu vois. J'aime trop descendre. Je suis dans ma ville, J'aime trop. Ça n'a pas changé. Ça me rappelle souvenirs d'enfant quand je passe dans des rues, Il y a tout là-bas. Il y a tout ici, moi. Ouais. Et tu vois quoi dans les yeux des petits quand tu repasses au quartier? Les petits, ils sont contents. Tout le monde est content. En plus, à chaque fois, tu vois, moi, je passe dans les quartiers et je fais plaisir un peu. Je fais plaisir un peu à tout le monde, tu vois. J'essaie de donner, de voilà. Tranquille, de faire plaisir. Là, je suis passé dans les quartiers pour faire les clips. Je fais passer un peu les baskets, un peu les trucs. Les petits, quand même. D'ailleurs, là, j'ai posté un truc avant-hier, une vidéo avec un petit que, quand je suis passé au micro-coulier. Tellement, je me suis dit, imagine une phrase de... d'un mec de mec de 30 ans, il m'a dit une phrase et il était tout petit, 5 ans, il m'a dit « Oh Jules, tu meurs, je meurs avec toi. » Il m'a régalé, tu vois, voilà comment, quand je vois les petits, comment ils sont et tout, c'est le top. Tu n'as qu'à envie de leur faire plaisir, tu vois. Et en plus, moi je le sais, parce qu'il y a des gens à Marseille qui me disent que des fois, tu arrives dans des quartiers, tu distribues des fringues, tu distribues des trucs, tu parles jamais. Tu montres jamais ça? Non, après, je suis pas trop de... Je préfère donner sans montrer, tu vois. Même que c'est pas moi qui donne, je préfère, tu vois, que c'est mes trucs, mais que c'est pas moi. J'aime pas donner moi et tout. Ouais, tu veux même pas que ça se sache? Non, moi, j'aime pas aller moi et donner. Je préfère donner l'heure, tu vois. J'ai honte, moi, de faire ça. Donc, voilà. T'as raison. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est être extraterrestre dans un monde où tout le monde veut montrer ses bonnes actions, ses vacances, qui l'a plus, qui fait mieux. Après, si c'est leur vie, si c'est leur moyen de manger leur argent et tout, pas de soucis, tu vois. Ils font tout comme ils peuvent. Tout le monde fait comme il peut. Moi, j'ai choisi ça, moi, comme ça. Tranquille, pas me montrer. Je veux pas montrer ma vie. Que le travail, les gens, ils m'aiment pour ça, je leur donne ça. Après, c'est vrai qu'ils veulent voir un peu ma vie. Par exemple, là, je me lâche un peu. Sur les clips, je me suis lâché. Parce que je sais que, par exemple, à Indépendance, l'album dernier, je n'ai pas donné de clip. Parce que j'étais fatigué du classico organisé, tout ça. Je sortais. J'ai eu un mois pour tout préparer l'album et tout. La promo, c'était dur, parce que j'ai eu un truc qui m'a... Je devais sortir les rebooks en même temps. Ce n'est pas trop fait au bon moment, donc... J'ai eu un peu des petits coups durs dans le moment, donc là, j'ai pas pu donner d'image et tout. Là, je me suis lâché. Pour eux aussi, qu'ils voient un peu. C'est pour ça que quand je dans les montages du clip, je dis mets-leur un peu mes moments de vie, mets-leur un peu. Ils voient pas, ils vont tout me voir chanter, tout. Non, mets-moi un peu les moments de vie, les inserts, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'ils voient un peu. C'est pour ça que j'ai bougé un peu, Je me suis un peu motivé à bouger, de sortir de ma grotte et tout, pour faire tout ça, quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a plein de petits qui t'aiment. Parce qu'en fait, le simple fait de savoir qu'il y ait quelqu'un comme eux, qui est parti du même endroit qu'eux... C'est-à-dire qu'ils peuvent, c'est-à-dire que tout le monde peut, tu vois. Moi, je suis parti de là, c'est arrivé comme ça. En fait, juste ce que je me dis, c'est avec au fur et à mesure que je grandis, que je vois les gens autour de moi et tout, qu'il y en a qui n'ont pas réussi, il y en a qui ont réussi. Et ceux qui ont réussi, c'est ceux qui n'ont pas lâché, qui ont aimé la chose qu'ils ont faite, qui sont allés au bout de leurs idées, qu'ils ont voulu aller. C'est tout comme ça. Parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas être Jules, tout le monde ne peut pas être rappeur, mais par contre, tout le monde peut trouver ce qui le passionne. Tout le monde a son talent, son petit truc caché qu'il faut qu'il trouve, pour moi. Il faut juste trouver, chercher son...
sans talent, chercher qu'est-ce qui te plaît dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire. Et c'est là que, après, quand tu aimes faire quelque chose, même au début, tu peux ne pas aimer, après faire et aimer, peut-être tu sais pas comment ça se passe dans la vie. Le truc, c'est de le faire à fond quand tu le fais. Si tu le fais pas à fond, c'est comme j'ai retenu dans la boxe, quand tu frappes, que tu le mets pas à fond, tu risques de te blesser. Il faut mettre à fond jusqu'au bout, tu vois, le coup de pied, tu le mets à fond, sinon tu vas te blesser. Si tu le fais pas avec pas, non. Voilà, donc il faut aller jusqu'au bout. Et si tu aimes la chose que tu fais, si tu as une idée, fais-la jusqu'au bout, n'écoute pas les gens qui essayent de te dire que ton idée elle est pourrie ou que ça va pas marcher, ou que tu vas jamais y arriver parce que toi tu n'as pas de contact ou parce que tu es dans un quartier qui est tout pété, que personne n'y connaît. Tu peux être même dans ta campagne perdu et tu peux y arriver. Tu connais la théorie des 10 000 heures ? Des quoi ? Des 10 000 heures. 10 000 heures ? Ouais. Non. C'est une théorie en fait qui t'explique que quand tu veux être bon dans un domaine, il faut minimum y consacrer 10 000 heures. Je te crois. J'y crois. Parce que je crois, les 10 000 heures, ils y sont, moi. ça mentir. Ah, depuis, ça fait combien ? Ça fait 12 ans que je rappe, que je chante. Ça genre depuis 12 ans, depuis que j'ai 11-12 ans. Et ça, j'ai commencé le studio vraiment tâter tout, 16-17 ans, à faire des instrus et tout. De là, ça fait combien ? 16-17 ans ? Ah, ça fait... Les 10 000 heures, ils ont dû passer sur certains. Même avant le premier projet ? Avant le premier projet ? Ouais. Peut-être pas, mais je sais que j'avais au moins 600, 700, entre 600 et 800 sons. Je sais qu'il y avait une clé USB que j'avais passé à tout le monde pour déguster quartier autour et tout, Herbel, dans mon quartier de Porto. J'avais fait déguster tout le ce qu'il y a autour, là. J'avais fait donner la clé USB, je sais qu'elle tournait, et je sais qu'elle tourne encore, et il y a au moins 800 sons, tu vois, déjà, avant de sortir Paranoïa. J'étais bouillant. Est-ce que toi, ta trentaine, c'est ta nouvelle vingtaine, en fait ? J'ai l'impression que comme t'as réussi à t'accomplir, maintenant t'es lâché, t'es encore plus dans « je fais ce que j'aime ». Ah, bien sûr. Ça t'a libéré le succès, en fait. Il y a des artistes que ça emprisonne, toi ça te libère. Ouais, moi, à chaque fois que j'ai une idée, je vais au bout. Mais tout le temps, ça a été dans la régularité. Pourquoi ? Je me dis pourquoi ? Ben, c'est par rapport au travail. Par rapport à ce que j'ai tout le temps travaillé à chaque album. Et j'ai vu à chaque album que je travaille, et qu'après je suis récompensé, tu vois, je suis récompensé, je travaille à fond. Récompensé, je travaille doublement, je suis doublement récompensé à chaque fois. Et tu vois, je pense qu'aussi ça va avec la vie. Quand dans la vie, tu es cœur blanc, tu vois, un peu, tu vois. Bah c'est l'expression qui revient souvent dans ta cœur blanc, tu veux pas de mal aux, tu veux pas faire de mal aux gens, tu veux pas qu'on t'en fasse, mais tu es droit, tu vois. Que tu chantonnes, oh, que tu chantonnes. J'ai voulu me la faire, ça t'a fait une méchante tombe. Moi je suis franc donc je fais des euros. Tous les deux mois je change de numéro. J'ai le cœur blanc, je fais pas les héros. J'ai rempli le compte, je suis parti de zéro. On m'a dit ne nique pas les gens. La roue elle tourne plus vite qu'une RS. Ils sont gentils, ils me font les méchants. On répond pas même quand ils veulent test. Dans le rétro je vois des disques d'or, des disques de platine et de diamant. Ça me critique pendant que je dors. J'ai changé de voiture récemment. Moi je suis comme moi, c'est ça ma. Je reste droit dans la vie et tout se passera bien. Même s'il y a des trucs contre moi, ça ne pourra pas, je suis droit. À quoi tu reconnais un cœur blanc ? Cœur blanc, je reconnais un cœur blanc à son respect et sa reconnaissance. Voilà. La loyauté. Comme ça, je vois le cœur blanc. S'il y a ça, il y a tout qui va avec. Toi, envers qui t'exprimes ta gratitude quand tu te lèves, par exemple ? C'est-à-dire ? Bah, quand tu dis Dieu merci, je sais pas, moi ça peut être, c'est très simple. Hein. Des fois, je me dis, bah, Dieu merci, je me réveille, je suis chez moi, je suis content. Enfin, tu vois, mais ouais. C'est des moments comme ça dans la journée, tu vois. Non, ouais, quand je peux, je remercie le bon Dieu, moi. Dès que avec tout ce qui m'arrive, dès que je peux, je remercie direct. Tout le temps, dès que j'y pense. Parce que tout ce qui m'arrive, c'est tellement énorme que... C'est pas trop humain. Tu vois. Tu crois au destin ? Ouais. Ouais. Tu penses que ça faisait partie de ton destin d'aller là ? Je pense. Tout ça, c'était écrit pour moi.
Les tempêtes, les épreuves. Parce que souvent, le succès, ça peut être une malédiction pour soi. Toi, t'as décidé d'en faire une bénédiction pour les autres, de le partager. Ouais. De pas t'enfermer dans « c'est dur à vivre, c'est compliqué, ma vie, elle a changé ». T'as accepté ça, parce que t'as connu le travail. Un peu, j'ai un peu accepté, un peu. Ouais. C'est dur. C'est toujours dur. Tout le temps, la vie, elle est compliquée comme ça. Mais c'est comme ça, c'est la vie, tout le temps. Là, je me dis que je travaille encore et tout, après je vais mettre un petit coup de frein, même. Je serai toujours là, mais petit coup de frein pour ma vie personnelle. Ouais. Tu crois que t'es capable? Moi, je crois pas. Peut-être. Quand tu fais ce que t'aimes à ce point-là, moi, je te vois en studio, même si tu sors pas des sons, je te vois en studio. Tu sais quoi, je vais essayer de me forcer un peu. Ah ouais? Comme ça, ma vie, tout ça, ça fait du bien quand tu vis, tu respires un peu. Même là, je suis sorti, c'est quoi? On est parti manger une crêpe pour un clip et tout. Ça m'a fait du bien, tu vois. Moi, c'est pas tous les jours. Compliqué. Mais tu te rends compte que... C'est-à-dire qu'il y a Johnny et à toi, ton kiff, c'est une crêpe. Ouais. Et moi, c'est comme ça. J'ai pas le truc, la folie des grandeurs et tout. Si je dois faire une petite folie des grandeurs que j'ai envie, je vais me la faire. Mais j'ai pas le... Je pense pas... Je suis tellement focus dans des trucs... Je suis loin de tout ça. C'est pour ça que je redis que pour moi, extraterrestre, c'est être humain dans un monde qui est devenu inhumain. Ouais, t'as raison. C'est vrai, on peut le formuler comme ça, et c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. J'ai pas changé, toujours mon pétou, ma canette. C'est pas les autres qui vont me faire descendre ma planète. Bébé, j'ai bu, je pense trop à toi, faut que j'arrête. J'ai bu, y'a tout qui tourne dans ma tête. Faire de la musique jusqu'à quel âge? T'y penses à ça? Maintenant que t'as passé la trentaine? En fait, je sais pas si je vais m'arrêter. Tu vois, je pense pas arrêter la musique dans ma vie. Mais je pense juste faire bien les choses. Ma vie, parce que ma vie, elle m'apportera mon esprit aussi. Donc tu veux revivre des choses? Un peu. C'est marrant parce que t'as dit que les gens avec qui t'aimerais faire des morceaux, ouais, c'était Stromae ou Goldman. Et Goldman, c'est quelqu'un qui a mis en pause la musique pour vivre. C'est bien. C'est-à-dire que plein de gens disent... Mais bon, tard un peu, non? Tard. Et il a dû partir de la France. Enfin, il en fait un rejet, carrément. OK. Ah. Non. Il est resté que pour les Restos du Cœur. Non, pas rejet. Je pense pas rejet. Parce que j'aime vraiment. Pas au rejet, mais obligé. Pour moi, le cerveau, bien faire les choses, ma vie aussi, c'est important. Et la santé mentale? T'as appris à y faire attention? Eh oui. Ouais. Le cerveau, devant la play, on pense à rien. C'est ça, moi. Je fais pareil. Ah ouais? Elden Ring. C'est quoi? Tu connais Elden Ring? Non, c'est quoi? Si je te mets dedans, t'es foutu. C'est quoi? C'est un jeu? Ouais. Ah, je connais pas. T'es foutu. Si tu rentres dedans, je te jure. Hein, ah ouais? T'es foutu. Elden Ring. Je vais regarder tout à l'heure. T'aimes bien Zelda, les trucs comme ça? C'est un jeu d'aventure? Ouais. C'est vrai? C'est un mélange de Zelda pour adultes avec Game of Thrones. Ok, d'accord. Et ouais, c'est le meilleur jeu de l'histoire. Ah ouais? Ça me rend fou, frère. Ok, ouais. Ça me rend fou. Ah ouais, putain, tu vois les jeux qui me rendent fou, moi. Hier, j'étais au téléphone avec un pote. On s'appelle et on s'est baladé ensemble dans le jeu toute la nuit. Pour aller chercher un scarabée doré. Arrête, oh putain. Mais c'est bien, non? Tu penses à ton scarabée doré, tu penses plus à la caméra, les machines, tu vois, non? C'est bien, tu es dans le scarabée doré. Moi, tu es fou, je suis le ballon, le call-off. Que dans ça, genre, ouais, il faut les soubles, là, le largage. Voilà, moi je pense à ça, quand je suis dans ça, dans ma bulle aussi. Je suis bien. Ça fait du sport, bien. Sport, play, studio, ma bulle. Je vais rajouter le sport. Ouais, sport, ça fait du bien, je te jure. Au début, tu as mal et tout, après,
un mois et demi. Comment tu t'es mis dedans? Parce que moi, je vais m'y mettre, là. J'ai envie de rentrer dans ton monde. Et en fait, tu vois, j'ai... Déjà, j'ai envie de rentrer dans ton pull. Et ben, moi, je pensais pas que j'allais rentrer dans du M, tu vois. J'étais XL, je faisais du 95 kilos. Là, je me retrouve, je suis à 80 kilos. J'ai perdu 15 kilos. Le sport. Ouais, là, je fais du M, je suis bien. Je te jure, le sport, ça aide. Et voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a pris pour rentrer dans le... Ah ouais, ben, j'ai deux collègues qui font de la taille depuis longtemps, je crois que ça fait 20 ans, un truc comme ça. Et il fallait que je m'entraîne pour le vel, que je fasse du sport, et je me sentais pas de faire que footing ou d'aller que courir ou quoi. Je voulais faire un truc, et la boxe, j'aime bien. Je regardais les vidéos et tout, tu vois, j'aime bien. Et même depuis longtemps, tu vois, les films de Jackie Chan, Van Damme, Bruce Lee. Jean-Claude Van Damme, tout ça. Et ben là, j'ai kiffé, je kiffe comme le foot. Je kiffe la taille comme le foot. C'est marrant parce que il y a pile un an, on rencontrait Jean-Claude Van Damme. Ouais. Et il correspond à ta définition du cœur blanc. Ah ouais. C'est souvent les gens qui réfléchissent aussi en faisant des choses pour les autres, on les prend pour des fous en fait. Parce que, mais c'est vrai, on l'a souvent pris pour un fou. Il en a souffert lui dans les médias. Ah ouais. Ouais. Et je trouve que toi, au début, quand t'es arrivé, il y a des gens qui disaient « Jules, il fait des fautes d'orthographe, Jules ci, Jules ça ». Encore. Alors que c'est du vrai mépris de classe, en réalité. On s'en fout. Bon, c'est pas ça. Quand tu vois que t'as toute la jeunesse qui est derrière toi, ouais. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais. Franchement, et même si je fais des fautes, qu'est-ce que je m'en fous qu'on me plaît, ils me comprennent? C'est l'essentiel. Et moi, mon but, c'est pas de... C'est de chanter, de faire écouter mes sons. Je m'en fous d'écrire, de mal écrire. Je m'en fous, moi. Quand j'écris un message à ma mère ou aux avocats, même, j'écris avec des fautes. Non? Ben oui, mais t'as raison. Des fautes, je m'en fous. On se comprend. En fait, ce qui compte, c'est les actes. Bien sûr. On s'en fout de ce qu'il a mis lui, ce qu'il a marqué. Il est là sur Twitter ou sur truc, les commentaires. Moi, je suis là. Je suis en train de rigoler avec ma collègue, je rentre au studio, je suis sur la plaine en train de faire mon largage. Tu vois, Moi, j'ai appris à plus regarder ça. Moi, je vois, mais franchement, ça m'atteint vraiment. J'ai comme un voile sur ces trucs, tu vois. Je passe, je regarde mes bons trucs. Ma team. Ma team. Ils sont encore derrière toi? Bien sûr. Tout le temps, je suis très content. Merci à eux d'ailleurs d'être toujours derrière moi. Merci 10 000 fois. Là, je vais les voir au concert. Le top. Hein? Je suis content. Moi, je pense que tu vas pleurer sur scène. Je sais pas. Tu vas craquer? Je sais pas. Que tu vas réaliser, tu te dis, mais attends, j'étais en centre de formation. Là, il y a toute mon équipe qui est là. Hein, c'est vrai que, je sais pas. Peut-être. On verra. Même si tu le diras à personne, tu vois. Peut-être. Parce que toi, je te vois bien aller pleurer en secret. Je sais pas. On va voir. Hein. Mais c'est sûr que ça va faire des sensations. Déjà, rien que je suis monté sur la scène en Sopra, j'ai encore ce flash. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, cette salle, en fait? Le truc, c'est que c'est vaste. C'est vaste. Quand il y a les lumières, j'ai vu moi, en fait. Je suis rentré comme ça par en dessous, là. D'un coup, je suis monté sur... J'avais jamais vu encore. Et d'ailleurs, je veux le faire encore. Je veux pas regarder avant d'aller monter sur scène, là. Pas voir une fois le public. Quand je suis monté, j'avais une veste comme ça. Il fallait que je monte devant, au nez de scène. Je suis monté, d'un coup, j'ai vu ça. Ouf. Ah, ça m'a... J'ai vu que des vagues de flash, tu vois. Ça faisait des... Ah, c'est magique. À voir, c'est quelque chose. La dernière fois qu'on s'est vu, entre-temps, il y a eu Très Organisé, le Classico, le nouvel album, le Vélodrome. La prochaine fois, ça sera quoi? Franchement... Stade de France. Pourquoi pas? J'aimerais. L'album de Drake. Drake, oui. Allez. Drake, si tu nous regardes. Voilà, Drake. C'est la zone. Et ouais, le Stade de France, et même pourquoi pas annoncer un petit vel ou quoi, je vais voir. Et oui. Et des vacances? C'est chez moi. Ah, ça, d'abord. Ah oui, d'abord les vacances. Et après,
Ouais, cet été, vacances. Pas trop, parce qu'après, on est toujours là. Cette année, encore comme d'habitude, on est dans les mêmes créneaux. Ça veut dire que mi-août, début août, c'est studio à fond. Projet. Gros projet encore. Tu allais refaire un 13 ? Non, c'est pour moi un solo, mais. Gros projet, grosse idée normalement. J'espère. Facile à réaliser ? Facile à dire, dur à faire, hein. Toujours. Hein. Toujours dans ça. Hein. Ouais. Dans la vérité, il va falloir. Falloir avoir de l'énergie et beaucoup de force, ouais. Attends, il y a la taille, il y a le repos, il y a les vacances. Exactement. Ça y est, maintenant, t'as une vie. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. À chaque fois, par an, je crois que j'ai un mois et quelques, même pas. Dans l'album, à un moment, tu cites Eminem. Tu parles d'8 Miles. Ouais. Est-ce que t'as conscience que ta vie à toi, ça peut être un film aussi ? Bien sûr. Bien sûr. Je sais que ma vie, ça peut être un film, mais je pense pas maintenant. Je pense pas maintenant, plus tard. Il y a encore des trucs à vivre pour montrer dans le film. Tu jouerais ton rôle comme Eminem ? Je sais pas. Je sais pas comment je suis en mode acteur. Si c'est moi, peut-être que ça va être plus facile, puisque ça sera que la réalité. Mais je sais pas comment je suis en mode acteur. Je peux me démerder, peut-être. Hein. Parce que là, il y a SCH et Soso qui bossent sur un truc. Faut un film, il faut quoi ? Ouais, un film. Et toi, ça t'intéresse pas, le ciné ? Moi, ça m'intéresse, mais... Là, tu viens de clipper 20 morceaux. Ouais, mais que si je fais un bon truc et que vraiment que les gens, ils comprennent ma vie, qu'ils comprennent vraiment ma vie, tous les trucs qui se... C'est vraiment mon film, ma vie, quoi. Du début. Du début jusqu'à la fin. Mais là, je pense que ma vie, elle est encore... Je pense que ça, c'est quand le jour où je me repose sur mes lauriers, peut-être, si un jour ça arrive. Si je peux me reposer tranquille, que j'ai le temps de réfléchir. Avec qui faire, comment faire, quoi, tout ça. Après, l'idée, y a pas à réfléchir, hein, j'ai toute ma vie dans ma tête. Il y a déjà ta musique qui la raconte, ta vie ? Voilà. Parce que, en vrai, déjà, quoi... ça, c'est mes souvenirs, moi. Ma musique, c'est comme quand tu regardes toi, tes photos et tout, tu dis, oh, de l'année dernière, moi, c'est oh, l'année dernière, attends, parce que... Ah oui, il y avait ça, putain, cette histoire, putain, tu te rappelles ça aussi, hein. Que des trucs comme ça, tu vois. Moi, c'est avec mes musiques, ça, c'est mes souvenirs. C'est quoi ton morceau à l'ancienne que tu préfères écouter ? J'oublie tout. Ouais, c'est les morceaux que j'écoutais en voiture en arrivant. Ouais. J'oublie tout. Bah, l'ancienne, c'est ça. Ce soir, j'oublie tout. Cherche, mange, mais je fais des détours. Ce soir, j'oublie tout. Et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte. On partira tous un jour. Alors, je m'en tape de vos discours. Derrière le pont, non, moi, je cours. Parce que ce morceau, à chaque fois que je l'écoute... C'est mon préféré, moi. De toute façon, de tous... Vraiment, vraiment, qu'a traversé les générations, un peu, parce qu'il y a eu des générations entre ce son, quand même, il y en a eu, là. Fou, là, tous les petits, maintenant, les petits de maintenant, qui disent... Ce son, c'est trop, en fait. Depuis le début, je le chante, il y avait des gens, ils étaient petits. Ah, maintenant, déjà, ils sont grands. C'est un truc de fou. Moi, c'est le morceau que je fais écouter. Et le son, il tourne encore, c'est... À tous les gens qui te connaissent pas. Celui-là ? Ouais, je dis, écoutez ça. Parce que ça, c'est un classique du rap français. Mais classique, direct. Il parle à tout le monde. Si. Ah, c'est vrai que pour moi, c'est mon préféré. J'oublie tout, même dans le... Ce que du riche, voilà, quoi. Que la réalité, comme d'hab. Et ça, c'est... C'est un son de mon préféré. Avant de finir, on a beaucoup parlé du côté producteur. Moi, j'ai envie de parler du côté kicker. Kicker. De l'écriture. Ok. Parce qu'il y a toujours des morceaux où tu viens. Et c'est un truc que tu as en toi. Et je voulais savoir, c'était quoi ton rapport à la compétition, en fait ? Mon rapport à la compétition... Parce que c'est un truc de compétiteur, de kicker. En fait, je kick pourquoi ?
juste pour dire, bon, moi je sais Kiki, genre, en fait j'ai vu que Kiki aussi, tu vois, c'est bien beau, mais j'ai l'impression que ça pète pas comme ça doit péter quand je kick, tu vois. Par exemple, j'ai l'impression que je suis obligé d'aller à Planète Rap pour qu'ils comprennent. Je prends pas terrestre, je suis un extraterrestre. Tu veux savoir ce qui m'intéresse, mettre bien la mif, c'est pas de faire le boy ou en terrasse. Je suis dans tes rêves, tu m'écoutes quand tu filmes tes raids. Et si je te raye, ça arrive à 6 du mat comme une descente du raid. Pour avoir tous mes sons, il te faut plus d'un tera. Y'a encore des sourds qui sentiront le jour où on m'enterra. 4h du mat, plancha, j'écoute de l'opéra vers l'opéra. Et t'inquiète, avec ma clique, on sait que si on fait du mal, on paiera. Je suis là. Ouais. Même si tu vas chercher des freestyles un peu de partout, un peu de. J'ai fait. Donc je suis toujours obligé, c'est juste pour dire tiens, rappelle-toi. Tiens, rappelle-toi. Voilà, rappelle-toi, juste rappelle-toi un peu et après voilà. Et après sinon, là c'est l'été, on va danser l'été, voilà, tenez un peu de kickage. Pour moi, je le prends comme ça. Voilà, le kickage, c'est plus facile pour moi. Et en plus, je sais que j'ai plus de. J'arrive plus à décrire la chose que j'ai envie de décrire en kickant. Qu'en chantant, tu vois, des fois, avec autotune. En kickant, je peux plus m'arrêter si je veux. T'es capable de faire des 160 mesures Ouais, ça peut. Là, je peux me mettre 3 heures d'un coup, je vais avoir bon petit bloc-notes, tu vois. Et en plus, l'inspi, selon la prod, inspi illimité. C'est pour ça, des prods, ils appellent inspi limité. Celle-là, c'est inspi limité. Je peux y aller jusqu'au bout. Même les prods, je me les remets quand j'ai fini. J'ai écrit un texte de 15 minutes pour Skyrock. Et ben après, je me la remets parce qu'elle me respire encore. Et j'ai réécrit. Je te jure. Pourtant, mais kickage, ouais, je fais juste pour rappeler un peu. Je te dis, rappelle-toi, hein, et c'est tout. Voilà. Là, j'ai kické aussi dans l'album. Ah, mais de fou. Ouais. Crépuscule. Oui, c'est pour dire, rappelle-toi un peu. Ouais. Arrête de dire, rappelle-toi. Voilà. Et après, il se rappelle. Et après, ah ouais, mais tout putain, en fait, c'est vrai. Non, c'est bon. Tout le temps, j'ai l'habitude. Donc, c'est. Il faut un peu remettre d'accord vite fait. Tu peux pas mettre d'accord tout le monde. Mais il y en a qui vont. Il y en a qui critiquent et qui. Que tu remets d'accord aussi, des fois, tu vois. C'est bien. De toute façon, moi, c'est pas mon but de faire ça, mais. Tiens. Rappelle-toi juste. Voilà. Il y a rappelle-toi, mais il y a aussi honorer le kickage. Honorer l'art. Bien sûr. Sur Je suis Marseille. Ça me régale. Ouais. Ça me régale. Dans Marseille, dans Je suis Marseille, sur avec Ayam. Ouais. Et ouais. Marseille, bande organisée, pas là pour sympathiser. Ils ont pas cru en moi, t'inquiète, au final ils ont réalisé. Vois pas si tu sais pas teaser, tire pas si tu sais pas viser. Je traînais au quartier jusqu'à tard, je me rappelle que maman crisait. Samedi soir électrisé, pareil que ça se fight au vieux port. Sorti de boîte arrosée, Bruncha ça veut s'arroser. En passant décapotable, comme des bad boys, mais vu nos têtes, Chiquita elle veut pas causer. Elle sait que ça veut pas se poser. C'est la guerre comme Savastano et Salvatore Conte. Les petits ils savent pas lire, mais t'inquiète, savent conduire et compter. Règlement de compte, tout ce qu'a goulé comme sur l'île de beauté. Fais gaffe, tu peux te faire tourner par un mec dans le bar d'à côté. C'est ça, ouais, il fallait kicker de toute façon. Tu vois qu'on a rigolé quand on a mis autotune avec, au refrain. Ouais, parce que Ayam et tout, autotune, on se disait, oh putain, quoi faire là, ouais. Du coup, c'est parti en autotune, et qu'elle chante. Ah, tu fous ça, ah, ouais, mort de rire, on était regardé que Ayam, tu as vu quand regardé Akhenaton et Shuriken. Mort de rire. Ah ouais. Non, mais voilà, pour moi, je m'en sens faire le. Ça glisse quand je kick, c'est boom bap, même des en mode un peu comme par exemple lui que j'ai fait, la Ténébreux. Mm. C'est un type Jules, tu vois, mais rap. Un type Jules rap, genre. Voiture personnalisée, banque décentralisée, vicieux neutralisé, trop parano pour être balisé, c'est Ténébreux. Fais voyou, c'est un choix de vie, fais les sous, fais croquer tes proches, tes amis, change de ville. C'est pour ceux qui tiennent le bloc à l'année, le gérant veut que ça soit carré comme à l'armée. Moi, ils attendent ma sortie du maquis. Et je reviens toujours fort comme le look qui cage à qui. Le sang, c'est du talent, c'est pas de la magie. On me dit que je suis conçu pour faire des hit machines. Je kick, voilà, voilà. Je me lâche un peu. Et la mélodie Soul King sur le plateau de Click disait que t'étais le plus grand mélodiste en France. je sais pas. Ça, je sais pas. Non, il y en a des forts. Il y en a, ils sont forts, je sais pas. Après, peut-être, je sais pas. Merci à lui. Mais. Je sais pas, c'est vrai que des mélodies, je sais pas comment elles viennent dans ma tête, mais j'en ai à chaque fois.
C'est pas ça qui manque, les yaourts et tout. Et tu les as rendus sur ton téléphone ou ça, ouais, ça reste dans ta tête? Non, non, non. J'oublie. Il faut vite que je la mette sur le dictaphone. Parce qu'avec tout ce que... Tac, 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 direct. Ah, au moins, c'est fait. On l'a pas oublié. Des fois, j'en fais et je les oublie. Quand je fais le son, je les oublie. Oh putain, c'était là. J'aurais dû la mettre. Des bonnes mélodies, tu vois. Jules, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2023, 2024, 2025? Pour 2020, que du bonheur, comme moi je te souhaite, que du bonheur. Merci. La santé. Et voilà. Hein. Que du bonheur. La réussite. Bah, je te le souhaite. Et ben, moi aussi, je te le souhaite. Merci, mon gars. Vas-y, merci à toi. Merci. Merci bien. Ah, ben, c'était tranquille.